Rugby Magazine qui n'oublie pas non plus les amateurs. Ce samedi, nous vous proposons un retour sur ce match à part dans le Tarn. Un bon vrai derby entre Rabastens et Lille-sur-Tarn. Distant de seulement 8 km, c'était le match phare de cette poule 2 de promotion d'honneur. Direction Lille-sur-Tarn avec Didier Laguerre. Un Rabastens dans le flou. Trois défaites en trois matchs avant le déplacement à Lille-sur-Tarn. Beaucoup de blessés aussi, dont le capitaine Sylvain Morel, forcément privé de derby. Le genre de match qui a évolué dans le bon sens, probablement les conséquences du rugby professionnel. C'est quand même beaucoup plus de jeux, même s'il y a toujours de grandes tensions. Ça se passe essentiellement dans le jeu, quoi. Même s'il y a quelques mauvais gestes toujours, ça reste quand même correct. Et du côté des supporters, René et Augustin, eux aussi sont d'accord, l'esprit des derbys n'est plus ce qu'il était. Avant, c'était vraiment l'esprit de clocher. Hein. Là, il fallait que le clocher... Et d'ailleurs, il y avait, moi, j'ai 83 ans, moi. Hein. Dans le temps, il y avait une chanson en partant de « Ah, l'Irena, l'Iro, l'Ur foutre la pilo. » Alors, vous voyez, l'esprit est déjà comporté. Hein. À une dizaine de kilomètres de là, Lille-sur-Tarn. À l'occasion du derby, ces jours de fête, Alain Favarel, l'entraîneur lillois, a invité un de ses anciens élèves auquel le mot derby semble rappeler quelques bons souvenirs. Je l'ai fait débuter au niveau de la première à Viry-Châtillon en Fédéral 2. Massy, les derbys de l'Essonne, ouais, c'était Massy. Il y avait quoi, 4 km, même pas. Il y avait 4 km entre nous, bah, c'était toujours tendu. En plus, il y avait des mecs de Viry qui partaient à Massy, ça fait que j'étais un peu aigri de les voir et tout. Mais bon, c'est la vie qui veut ça, comme on dit. C'est un bon derby. J'espère que ça va bien se passer. Un jour de fête également au guichet, c'est bien connu, les derbys ont le don de rendre le sourire aux trésoriers. On en est à 90 entrées pratiquement. C'est bien. C'est une très bonne journée. Combien vous faites normalement ? 50 entrées. Et là, vous allez me faire à peu près à votre avis ? 300. Je sais pas. On y est, les gars, dans la tête, on y est là. À 14h30, le décor est en place. La pression peut monter d'un cran supplémentaire en musique pour les Lillois. 6-6 à la mi-temps, score de buteur. Chez nos deux consultants, l'heure est au scepticisme. Le résultat pour moi, hein, ça c'est difficile. Hein. Léger petit avantage à Lille, peut-être au point si c'est en boxe. Mais après, à la fin, on verra. Hein. Il faudra attendre la fin de rencontre pour que les choses se clarifient. Lille-sur-Tarn croit tenir la victoire sur cet essai en solitaire de son demi de mêlée. Mais Rabastens a du courage à revendre et s'impose en toute fin de match grâce à deux essais. Victoire des visiteurs 21-14. Et à ce propos, vous connaissez la chanson. Homme orchestre de ce rugby magazine, Didier Laguerre était aussi à Fonsorbes pour le 10e anniversaire de la section féminine. Pour répondre à cette question fondamentale du rugby